I am a star. Je suis une étoile. Star of success. Une étoile de succès. Within this star, there is light of knowledge. À l'intérieur de cette étoile, il y a la lumière de la connaissance. There is power of yoga. Il y a aussi le pouvoir du yoga. Sparkle of virtues. Des étincelles de vertu. Humility of servant. Et l'humilité du serviteur. God has given me. Dieu m'a donné. Light of knowledge. La lumière de la connaissance. Every word is like sparkling, beautiful diamond. Chaque mot, c'est comme des étincelles de diamants qui brillent. As much I imbibe knowledge. Et plus je m'imprègne de la connaissance, diamond becomes flawless. Les diamants deviennent sans faille. And its value increases. Et leur valeur augmente. Always remain in this awareness. Il faut toujours rester dans cette conscience qu'à l'intérieur de moi, en tant qu'étoile, il y a la valeur de diamant. In the light of this star. Et la lumière des étoiles is visible. Est visible through my face. À travers mon visage. The maturity and the wisdom. La maturité et la sagesse. Seen very clearly. On peut les voir très clairement. Through my words and actions. À travers mes mots et mes actions. Pure love. L'amour pur. Which creates remembrance of Baba. C'est l'amour pur qui crée le souvenir de Baba. Creates power and the fortune. Qui crée les pouvoirs ainsi que la fortune à l'intérieur de l'âme. To inculcate virtues. Afin de m'imprégner des vertus. Je deviens Je m'excuse, j'ai pas compris. Et apporter de la joie. Very deep inner happiness. Un bonheur très profond avec mes vertus.
each virtue, chaque vertu becomes source of elevated actions, devient une source d'actions élevées. I do action. Je fais des actions. But if I do with pure feelings, mais si je les fais avec des sentiments purs, free from desires, libre des désirs, increases my treasures. Alors, à ce moment, j'augmente mes trésors de paix et des autres vertus. Pure feelings. Les sentiments purs. Without any desire, avec des sentiments purs, j'observe sans désir, sans vouloir la louange, ou sans prendre la louange ou la diffamation. I am fulfilling my own pure feelings. Je m'emplis de mes propres sentiments purs et ma dédication à Baba. And I remain a constant server. Et je demeure un servant, un serviteur constant. Very light and happy to constantly serve. Avec beaucoup de légèreté et de bonheur, je continue de servir constamment. Et cela rend l'étoile une étoile de réussite. So I stay connected. Donc, je reste connectée with my own sparkling, beautiful light. Avec ma propre lumière brillante, étincelante. So that it can influence, afin que cela puisse influencer la fortune et la destinée de beaucoup d'âmes dans le monde. I serve as an angel. Je sers tel un ange. I take this tree from angelic Baba. Je prends le drishti de la forme angélique de Baba et je m'emplis with love and enthusiasm, d'amour et d'enthousiasme.
Om Shanti. Om Shanti. We just celebrated big victory. Nous venons de célébrer de grandes victoires. Nous avons brûlé le démon Ravan. Et nous sommes imprégnés de tous les pouvoirs. Nous avons invoqué chacun des pouvoirs, toutes les déesses à l'intérieur de nous. Alors, notre enthousiasme doit continuer. Même si cette célébration est passée, maintenant, ce sera une autre grande célébration et ce sera la célébration de Diwali. Et pour cela, nous devons garder notre enthousiasme. Nous avons encore des tâches à accomplir. Et c'est l'établissement du royaume de Dieu. Alors, Baba nous a donné non seulement des devoirs, mais aussi de faire de façon pratique et d'être des messagers de paix de façon pratique. Dadi Prakash Mani disait toujours que pour établir la paix, vous devez être paisible et vous devez utiliser toutes les méthodes pour la paix. Et je me souviens que ça m'a beaucoup aidé lorsque je suis arrivée à New York. À ce moment-là, la ville avait beaucoup, beaucoup de violence de toutes sortes. Donc, nous avions des petites et des grandes situations ici et là, mais je me disais toujours, je me souvenais que Daddy disait pour l'établissement de la paix, vous devez être paisible et d'utiliser toutes les façons paisibles de créer les relations paisibles avec les voisins, avec vous-même, avec les voisins. Gave us another motivation, or we can say inspiring us. Et maintenant, Baba nous donne une autre motivation, on pourrait dire qu'elle nous inspire de soutenir le soi et de soutenir le soi en tant que vrai serviteur. Et je me sens j'ai tellement de gratitude pour Baba. En tant que professeur et de guide, il nous dit toujours ce que nous devons faire dans le moment présent. Comme j'ai mentionné, parce qu'il est la vérité, la connaissance, c'est la vérité éternelle. Et papa, ce qu'il disait dimanche, à propos de la définition d'un vrai serviteur. Et je pense que nous voulons tous devenir de vrais serviteurs, n'est-ce pas? Il nous a inspirés comment, en tant qu'étoile, nous pouvons changer les défis de tout l'univers. Les gens vont vers les étoiles. Il y a plein de choses qui arrivent à cause de leurs énergies. Ce n'est pas une question de responsabilité, mais de voir combien d'impact moi, en tant qu'étoile, j'ai face à l'univers, face aux éléments, face à toutes les âmes. Et bien sûr, Baba a dit que chaque étoile est spéciale et elles ont chacune leur vertu plus prédominante. Il y en a qui sont consistantes, qui sont des serviteurs. Aujourd'hui, chacun de nous, à l'intérieur de soi, crée ce respect de soi
ou prenez ce défi donc engagez-vous en vous disant je suis une étoile de succès. Chacun de nous s'engager dans cette pensée, je suis vraiment une étoile de succès. Daddy Janki un jour a donné la définition du succès. Succès en hindi, c'est safalta. Ça veut dire tout. Tout est une réussite. Tout fonctionne de façon la meilleure. Mais il y a un autre mot qui dit suffer. Et ce qui veut dire comment est-ce que tu utilises ce que tu as. Si vous avez les spécialités de la connaissance ou du yoga ou des vertus, mais comment est-ce que je les utilise? Comment est-ce que je les fais suffer pour les faire suffolta? Une fois, nous avions un projet, nous étions en train de le planifier et c'était la coopération pour un monde meilleur. Et Daddy a demandé, est-ce que ça va avoir du succès? Qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, c'est déjà un succès. On a demandé, comment? Elle a dit, chacune de vous, vos pensées, vos mots, votre temps, votre fortune, tout a été utilisé de façon à réussir. Je me souviendrai toujours dans les années 70-78. C'est ce que Baba nous dit, que lorsque vous pensez à vous-même en tant qu'étoile de succès, alors qu'est-ce que vous allez faire pour créer un environnement de coopération, d'amour, de soutien, de prendre soin les uns des autres? Ce n'est possible que si j'ai toujours des bons souhaits et des sentiments purs pour tous. Parce que les bons souhaits et les sentiments purs, les bons souhaits peuvent être du cœur, mais aussi de l'intellect. Baba dit, ayez des bons souhaits. Vous avez fait quelque chose, je dis, OK. C'est peut-être pas correct, mais laisse-moi avoir de bons souhaits. Ce qui est très, très bien, parce que le pouvoir que l'autre âme reçoit, quelle que soit l'erreur, nous avons des bons souhaits pour l'âme. C'est sûr qu'il ne faut pas la répéter, l'erreur, mais qu'est-ce qui arrive avec les sentiments? De garder des sentiments purs, élevés. Parce que quelque chose arrive et les sentiments arrivent aussi, ça provient des sanskars. Chacun se ressent différemment, ressent les choses différemment, soit après une bonne action ou une erreur. Mais lorsque je garde mes sentiments purs, parce que c'est votre pouvoir de garder les sentiments purs, si je peux le faire pour moi, je peux le faire aussi pour les autres. Et ce n'est pas seulement pour les autres. En tout premier, vous devriez avoir les sentiments purs pour vous-même. Vous clarifiez, vous nettoyez tout ce qui est là-bas, tout ce qui est là, et vous le nettoyez. Pur veut dire aussi inaltéré, propre. Baba dit, un vrai serviteur va toujours avoir des bons souhaits et des sentiments purs pour chacun. Mais
je commence tout avec moi-même. Tout ce que j'ai fait, je commence avec moi-même. Ne jamais avoir un respect de soi qui est bas pour les autres aussi, mais jamais pour le soi. Je ressens que, au moins pour moi, c'est une vie de courage. Lorsque je pense à moi-même, je ne voulais jamais aller dans le public. Je ne voulais jamais aller en dehors de la maison ni dans le public. Alors, quand je suis arrivée à Baba, chaque pas, nous devons avoir du courage, nous devons être braves. Il y a beaucoup de défis qui arrivent. Je ressens que ce sont les bons souhaits de Daddy, des Daddy. Non seulement ça, mais vous pouvez avoir de bons souhaits seulement si vos sentiments sont purs. Si vous gardez quelque chose dans vos sentiments, vous ne pouvez pas avoir des bons souhaits. Ça ne fonctionnera pas. Seulement les sentiments purs, pensez-y seulement avec des sentiments purs que vous pouvez avoir des bons souhaits. Les bons souhaits sont nécessaires, les sentiments purs sont nécessaires aussi. Et lorsque j'ai des sentiments purs, je vais définitivement n'avoir que des bons souhaits. Vous comprenez, c'est très subtil, c'est un point subtil. Lorsque Baba dit quelque chose, il le dit tellement, encore il le dit, restez très connecté pour être un vrai serviteur. Un vrai serviteur va constamment avoir des bons souhaits et des sentiments purs. Et ensuite, Baba dit que la noirceur, la noirceur de Prapti, ce qui veut dire le manque, ça disparaît, que le manque. Il y a tellement des milliards qui sont dépensés sur des armes. La santé, il n'y a aucune garantie aujourd'hui. Je disais Bhumi aujourd'hui. Chaque jour, j'entends parler d'une personne ou d'une autre jeune ou vieille qui tombe malade. Donc, la santé, les relations. Et maintenant, j'ai des bonnes relations. Mais maintenant, vous devez être distancié, vous ne pouvez pas rencontrer. Nous ressentons de l'amour, mais. Donc, la noirceur, Baba dit. Avant, Baba disait l'ignorance, mais maintenant, Baba dit la noirceur. Donc, c'est la lumière qui disparaît, la lumière qui manque. Alors, à travers nos bons souhaits et nos sentiments purs, donner l'expérience des acquisitions. Emplissez chaque âme de ce qu'elle a besoin. Honnêtement, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous avez besoin, ils vont répondre vos bons souhaits. Ils disent ça à tout le monde, n'est-ce pas? Okay. Donc, ce que je fais, je commence à envoyer des cartes de bons souhaits. Mais les acquisitions à travers nos bons souhaits vont leur donner ce qu'ils ont vraiment besoin. Doctors will treat. Notre maladie, Baba, le médecin dit, c'est votre propre pouvoir du yoga, mais mes bons souhaits peuvent aider à continuer à maintenir votre pouvoir de yoga. Invoquez Baba. Comment est-ce que chaque jour, les bons souhaits, pratiquement,
Donc, il devrait, ce qui est requis, c'est d'avoir de la bhavna. On reçoit des téléphones pour dire qu'ils ne vont pas bien. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des bons souhaits. Et maintenant, ce n'est pas seulement des bons souhaits, mais nous appelons ça aussi sakash. Alors, sakash, c'est lorsque votre propre niveau devient très pur et très léger et chaque pensée travaille plus en tant que sakash. Pas seulement des bons souhaits, mais pensée de pensée, 5 minutes, et ça devient sakash. Et il y a tant de choses qui arrivent depuis quelques jours. Les âmes ont vraiment besoin d'aide. Il y en avait que ce n'était pas seulement pour des bons souhaits. Ils sont très simples, mais ils voulaient avoir aussi sa cache. C'est pour cela que nous nous souvenons de Baba, que nous gardons notre pureté. C'est pour cela que nous pouvons l'utiliser pour aider les âmes à atteindre ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. C'est pour cela que les sentiments purs et les bons souhaits devraient être là. Et se rappeler que nous sommes tous des âmes, les enfants de Baba. Et d'âme à âme, on peut envoyer des bons souhaits. Chacun de nous, nous devrions nous voir comme un serviteur. Est-ce que je sers pour apporter des acquisitions dans leur vie, pour leur apporter des acquisitions? Et lorsqu'il y a des acquisitions, la connexion avec Baba devient plus forte. Ils veulent être plus coopératifs. Donc, ce n'est pas seulement des acquisitions, mais de ces acquisitions, cette âme devient aussi un serviteur. Donc, elle se connecte à Baba, elle aime. L'amour pour Baba commence à émerger. L'amour de Baba émerge. Mais on ne peut pas les atteindre si Mais comment est-ce que je peux aider une âme qui attend de... qui étouffe pour avoir des acquisitions? Donc, l'amour émerge. Oui, Baba, tu m'as aidé. Oui, Baba, j'étais capable de faire cela. Oui, Baba, je suis empli de succès. Donc, l'amour pour Baba. Et aussi l'amour de la coopération du yoga et aussi l'amour pour le service en général. Nous sommes des instruments. Ça devrait être notre expérience d'être un vrai serviteur. Parce que lorsque nous parlons, il y a un impact, mais c'est très limité. Mais comme Baba dit, si à l'intérieur des mots, nous avons aussi les bons souhaits et les sentiments purs, et aucune attente d'aucune sorte. Parce que quelquefois, nous pensions, OK, vous servez, si vous servez cette âme, elle va devenir très coopérative. Si vous servez cette âme, elle va nous aider. Il y avait quelque chose de très subtil dans cette attitude. Les âmes, beaucoup venaient, ils venaient, mais ensuite elles disparaissaient. Nous avions des bons sentiments pour eux, mais ils disparaissaient. Donc, nous voulons qu'elles se rapprochent pour être des compagnons dans ce voyage, qu'elles deviennent des étoiles aussi. Donc, il y avait des désirs très limités de récompense, des désirs très subtils de vouloir recevoir quelque chose.
lorsque je regarde à tout ce pèlerinage. Bien sûr, au début, si vous servez ce VIP, vous allez recevoir ceci, mais aujourd'hui, vous ressentez qu'ils en ont besoin. Le vrai serviteur, premièrement, nous donnons, nous comprenons la connaissance, nous donnons beaucoup d'acquisitions. Et vous sentez vraiment heureux s'ils deviennent les enfants de Baba, s'ils se rapprochent, ce sont des pensées pures. Oh, Baba dit, aucun désir limité devrait être là. Baba continue d'utiliser le mot Yatarap. Yatara, c'est très précis. Yatarap. Alors, nous allons réviser jusqu'à vendredi le Murli que Baba nous a donné en tant que vrai serviteur. Et je veux que vous le lisiez une fois, deux fois, ça dépend. Nous allons prendre des petites portions chaque soir, non seulement pour penser au point, mais intérieurement, nous en imprégner, regarder à l'intérieur de soi, regarder à quel point je deviens un vrai serviteur. Et lorsque nous sommes de vrais serviteurs, donc Baba peut nous utiliser, Dieu peut nous utiliser facilement. Baba peut vraiment m'utiliser en tant qu'instrument. Baba disait non, pas seulement en donnant des conférences. Mais c'est bon de le faire et chacun devrait le faire. Et chacun le fait aussi. Mais maintenant, c'est le temps. Le temps va venir où nous aurions peut-être même plus haut, mais on ne sait pas si vous avez une bonne pratique. Que vous êtes une bonne pratique de servir à travers vos bons souhaits, vos sentiments purs. Baba nous le rappelle que d'être un vrai serviteur, c'est très important. Donc, je peux, afin que je devienne une étoile de succès. Et Baba dit, le monde va voir dans cette noirceur des étoiles scintillantes et des anges magnifiques. Baba dit au début, ils avaient des visions de Brahmababa en tant qu'ange et déité. Et nous en avons besoin. Ils ont besoin de voir les étoiles. Donc, il y a des gens qui regardent les étoiles dans le ciel et se disent, ah, maintenant, ça peut arriver. Ils focusent leur attention là-dessus. Donc, brillons sur ce planétarium, sur cette planète, Baba dit, vous pouvez le faire. Définitivement, créer une vie d'acquisition pour chacun et aussi devenir un vrai serviteur. Om Shanti.